j'ai connu la pépette aux auto-tamponneuses. Elle, elle avait la 7 et moi j'avais la 2. La sienne, elle était verte et la mienne était verte aussi. Elle était bonne, la pépette, et c'était son métier, elle était boniche. Je lui ai dit, tu viens souvent aux auto-tamponneuses. Elle m'a dit qu'elle venait souvent, que ça la rendait joyeuse. M'a demandé, mais pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu me demandes ça? On est allé boire une gueuse, les auto-tamponneuses avaient l'air beaucoup heureuse dans sa robe jaune. Elle n'était pas vraiment bêcheuse, elle n'était pas du tout affreuse. Moi, j'avais des idées vicieuses sous mes cheveux jaunes. Roulez, roulez, petit bolide. J'ai offert à Pépette un tour d'auto-tamponneuse. Elle, elle a gardé la 7, moi j'ai repris la 11. Le patron de l'auto-tampon qui était très gentil, comme musique de fond, il nous a mis Johnny. Pendant que mon idole chantait les portes du pénitencier, les petites autos tournaient et tournaient et tournaient, boum. Et moi je faisais exprès de cogner dans Pépette, paf. Même qu'un coup, sans faire exprès, elle s'est foulée la tête. Aïe. On est allé boire une gueuse, des auto-tamponneuses, avait l'air bien moins heureuse dans sa robe moche. Elle avait l'air moins amoureuse, elle m'a dit d'un air songeuse, faut que je rentre chez ma logeuse, quelle catastrophe. Près des auto-tampons, je lui ai demandé, mais Pépette, est-ce que c'est ton vrai nom? Elle m'a dit, ce que t'es bête, c'est mon surnom, pauvre con. Mon vrai nom, c'est Zézette, mais ça fait un peu long. On a mangé ensemble une glace au chocolat. Elle, elle a pris framboise et moi j'ai rien mangé. Je voulais une glace à la viande, oui mais y'en avait plus. Ou alors viande hachée, mais ça coule le long du cornet. On est allé boire une gueuse près des auto-tamponneuses. Je l'ai trouvée soudain hideuse, sa robe trouée. Je lui ai dit, tu sais, petite pisseuse, je préfère les auto-tamponneuses. Toi, t'es pas assez luxueuse, mais dis-moi, quelle heure qu'il est? La 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 la, quelle heure qu'il est? La la la. À Disneyland. Le numéro 112 gagne un E.T. gonflable ou un magnétoscope en carton. La petite Delphine attend sa maman à côté du stand des merguez. Attention, le propriétaire de la 504 Pigeot immatriculée 4012 QQ75 est prié de la déplacer, elle gêne l'autocar du Parti communiste.
Et c'est encore un militaire qui gagne un filet garni avec un bazooka dedans. Allons-y jeunesse, en rayon s'amuse. La personne qui a perdu un portefeuille en cuir est priée de le rapporter.